qui était assez impressionnant, c'est le fait de se dire qu'on vient pour les jeux, mais que quand même à côté, il y a beaucoup d'humains. L'accueil a été génial, les Japonais ont été adorables. On vient tout juste d'arriver dans le stade, c'est magnifique. J'étais un peu stressée. Je pense aussi que c'est le fait qu'au village, il y ait toutes les athlètes déjà qui vont lutter avec moi, etc. Physiquement, je me sentais prête. Même mentalement, je me sentais prête à affronter tout le monde. J'ai commencé ma compétition le 2 août en 8e de finale. J'étais en train de gagner le match 3-0. Le 5 août, j'ai très très bien commencé. Et en fait, sur l'épreuve du lendemain, là, ça a été très très compliqué. À 20 secondes de la fin, elle a tenté une action. Je me suis retrouvée directement sur le dos. Donc, au final, elle a gagné le match 4-3. Il n'y a pas eu de raté, mais il n'y a pas eu de moment où j'ai vraiment pu briller. Et je finis 10e de ces Jeux. C'est clairement une prise de risque parce qu'elle savait qu'il lui restait pas longtemps de combat et elle s'est dit j'y vais et je tente ma chance et ça a marché. C'est des pleurs, hein. C'est des pleurs forcément. Donc encore un peu. C'est sûr que sur le coup, ça a été dur à encaisser parce que je savais que j'avais le niveau. Et je préfère plutôt regarder vers l'avenir et me dire, bon, bah voilà, c'est encourageant. J'en sortirai forcément grandi et c'est de l'expérience que j'emporte en plus avec moi. Mon objectif, ça a toujours été et ça restera toujours une médaille d'or au jeu. Et du coup, Paris, ce sera ma prochaine chance et j'espère vraiment que ça va bien se passer cette fois. Le livre Tokyo est fermé et c'est celui de Paris qui s'ouvre maintenant.